Hervé, ça a été le rallye de la Lys, l'enfer du Nord, comme le Paris-Roubaix. C'est un peu ça, oui, on a eu un peu de mal sur la première spéciale, la première boucle, on va dire. On a eu du mal à se mettre dedans, aussi bien pour les notes que pour moi, à trouver du rythme et puis faire confiance à l'auto. La deuxième qui était sèche, c'était bien le samedi. Hein. Et puis là, aujourd'hui, déluge. Et la dernière partie, bah, on crève dans la première spéciale de l'après-midi. Et plus l'essuie-glace non plus. Donc bah, on fait trois spéciales sur l'essuie-glace, c'est sympa sous la flotte. Hein. C'est pas mal. Et t'en as pas besoin, tu vas vite, ça sèche vite avec. Oui, bah, en fait, je me suis même rendu compte qu'on roulait vite, hein, parce qu'en fait, on avait un pneu sec devant et un pneu pluie à droite. Et on roulait quand même vite, parce que j'ai quand même été jusqu'en 6, mais ça a levé les essuie-glaces en plein milieu du pare-brise, donc c'était encore pire en fait. D'accord. Et Perrine, heureux, je t'ai vu beaucoup avec la banane ce week-end, je pense que tu t'es fait plaisir à côté de ta moitié. Hein. Ben oui, hein. Non mais si, on s'est fait plaisir, il fallait redécouvrir l'auto, déjà nous rouler, retrouver confiance en nous aussi. Donc comme il expliqué, effectivement hier on était un peu à l'arrêt au niveau de la première boucle, la deuxième a été super, c'était mieux. Ce matin, c'était bien aussi, mine de rien. Ce matin, c'était très bien aussi. Et cet après-midi, ben, on a eu une crevaison, ben, l'essuie-glace en panne. Ben... La totale, quoi. La totale. Donc, non, ça met un peu d'adrénaline, mais on a terminé avec les larmes aux yeux et c'est ça le plus beau. Parce que je vois, il y avait total sur la voiture, c'était peut-être pour ça. Hein. Ah. Ouais, non, ça marche pas comme ça. C'est pas signe. Bon, on peut remercier Autosur, tu es à la Bassée, on peut faire un peu de la publicité. Hein. S'il y a des gens qui ont des voitures à contrôler, ben, t'es ouvert demain matin à 8h, c'est ça hein. Ouais, non, je reprends mardi, j'ai quand même pris une journée pote, avec mon petit bonhomme, mais on va prendre un peu de repos demain, mais à partir de mardi, je serai au travail. Mais je remercie aussi mon assistance et surtout un très bon ami qui a sa société aussi FBMS, soudure et mécanique, qui m'a donné un gros coup de main pour monter la 106 et qui me donne aujourd'hui encore un gros coup de main pour monter la 306. Donc, on espère arriver à la 306 cette année, donc voilà. C'est une belle histoire de 6. Voilà, et de maxi surtout. C'est le principal. Le prochain rallye? Pas du tout, je sais pas. Non. On va d'ailleurs faire le check-up de celle-là et puis continuer surtout le montage de la 306. On aimerait bien tourner à 306 avant la fin d'année, donc c'est vraiment l'objectif de l'année. Là. Bah, merci à vous, puis merci. Bon repos et puis à bientôt. Merci Greg, bonne soirée. Bonne soirée.